Je me nomme Ange Marie Gogwe Ouattara. Je suis conductrice de train à Sitaray. Je suis rentrée à la Sitaray le 12 novembre 2007 par voie de concours. J'ai exercé comme aide-conducteur de train et depuis 2013, je suis conductrice principale de ligne 1. En tant que conducteur de train, je fais les manœuvres en gare, ce qui consiste à la formation des trains, et j'assure aussi la conduite des trains entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. En ma qualité de conductrice de train, je participe à l'approvisionnement en produits de grande consommation entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et les pays de l'Interland. À l'école, souvent, les gens disaient que les femmes ne pouvaient pas exercer ce genre de métier, que c'était réservé aux hommes. J'ai voulu, par curiosité, essayer et j'ai réussi. Je suis la première conductrice de train de toute l'histoire de ce réseau. Je suis très fière. Ça a motivé d'autres personnes aussi, d'autres femmes. Notre politique est axée sur l'égalité des chances. Nous offrons aux femmes les mêmes chances en termes de recrutement, en termes de développement de carrière que les hommes. Nous avons des femmes dans pratiquement tous les métiers de notre activité et nous les encourageons à persévérer car elles sont les véritables locomotives de leurs sœurs qui souhaitent devenir féminines. La conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée est un défi auquel toutes les femmes exerçant un métier professionnel sont confrontées. Donc, il faut savoir faire la part des choses pour ne pas empiéter sur un seul côté. En ce qui me concerne, dès que le travail finit, je rentre tôt à la maison pour pouvoir passer plus de temps avec ma famille. Le modèle de femme qui m'a inspirée, c'est Madame Akissi Kwame, première générale de brigade en Côte d'Ivoire.